Salut à tous, c'est Tim Bouton. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un. C'est pas vraiment un glitch, c'est plutôt un. Comment sortir d'une map. En l'occurrence, là, c'est une map de mission. C'est Winter Contingency, je pense que vous l'avez remarqué. Donc vous prenez en fait la mission à. Au point de. Point Alpha. Donc là, vous récupérez. Vous tuez les. Vous tuez pas les moi, hein. C'est juste moi pour le fun. D'ailleurs je me suis loupé, ouais, j'ai la sensation qu'il fait un petit peu en vrac. Donc vous tuez les rapaces et vous récupérez l'arme de le. Enfin il y en a un des deux qui a un pistolet à plasma et il faut que vous le récupériez. Donc ensuite, bah, hop, un petit écrasement au passage, toi t'es mort. Ensuite il vous faut monter par ce chemin là. Donc oui on s'en fiche, hop, là je passe un petit peu parce que. Voilà, et le but c'est de prendre ce Falcon pour faire la suite du bug. Donc là vous montez par là, par un petit chemin là. Et là, je suis désolé, ça va être assez long. C'est la partie la plus longue, là j'ai vraiment eu du mal ce coup-ci là pour l'avoir. D'habitude je prends moins de temps pour le faire. Et comme j'ai eu un petit problème de avec mon jeu Halo Reach et puis même avec tous mes... Tous mes disques de sauvegarde, que ce soit clé USB, disque dur externe ou autre, j'ai été obligé de prendre celui-là parce que c'était un petit peu moins long. Et puis, disons que j'avais fait et refait 15 fois la tentative. Et puis, à force, disons que je me suis dit, ouais, je vais pas faire que les tentatives, un jour faut quand même que je passe à l'editing. Enfin l'editing c'est pas un montage, donc il va pas y avoir 3 tonnes d'editing. Ça va surtout être remettre tout normal, enfin faire tous les petits réglages. Et donc là bon je me suis loupé encore une fois. Et donc je me suis dit bon allez on va prendre celle-là tentative, elle est pas si nulle, c'est pas grave. Donc là je me suis loupé, j'ai vidé tout mon pistolet à plasma. Donc voilà on est bien, hop. Donc j'accélère un petit peu, là je vais chercher un autre pistolet à plasma, hop là, point de contrôle. Et voilà, donc, je récupère un pistolet à plasma, donc voilà, le but en fait, c'est que là depuis tout à l'heure je ne vous ai pas dit ce que je faisais. Et en fait c'est juste, il faut que le Falcon tombe à l'envers, tombe les hélices contre le sol en fait. Et pourquoi ça force, pourquoi? Parce que ça forcera le pilote à ressortir. C'est un petit peu comme comme un matchmaking, hein, quand vous êtes dans un Warthog ou n'importe quoi. Si vous tombez à l'envers, vous allez sortir automatiquement du véhicule. Donc bon, c'est pareil pour les apparitions, mais apparitions scorpion ou autre, mais là c'est quand même un peu plus dur de se retourner avec ça. C'est possible, mais c'est un peu plus dur. Donc bon, je continue mes essais, et puis voilà. Là, j'ai enfin réussi. Donc je remets en mode normal. Bon, là, j'essaye de... Maintenant, faut monter dans le poste de pilotage. À la place du pilote. Donc là, j'ai un peu loupé. Disons que j'ai pas bloqué dans la meilleure place possible. Donc je monte par là, hop, normal. Et après, en fait, vous allez aller soit sur la droite, là-bas, vers où pointe mon truc, soit sur la gauche de la montagne vers les éoliennes. Donc en fait le truc pour gagner du temps et pour que ce soit le plus simple, il faut passer par là, enfin pas par là exactement, parce que là je suis allé faire un petit tour, j'ai essayé de voir si on pouvait couper à travers champs et c'est pas possible en fait. Donc vous suivez le chemin normalement en rase mode et là vous gagnez beaucoup de temps. Et pourquoi vous devez passer par là? Simplement parce que le transporteur qui est là-haut, là-bas vous voyez qu'il se déplace. Si vous allez, il va aller à l'opposé de là où vous allez. Donc par exemple là je suis passé sur la gauche, il va aller à droite. Si j'étais passé, si vous passez à droite, il va aller à gauche. Donc là bon le but sera en fait de se bloquer dans son energy shield. Ouais, je sais, j'aime bien qu'il y ait des mots anglais, c'est ça. Non, le but en fait c'est juste de se caler dans son bouclier d'énergie là au milieu là. Donc de trouver une place en fait. C'est vraiment ça en fait, juste trouver une place. Et donc là c'est. Voilà, là je suis à peu près bloqué. Là je vais un petit peu partir en vrac.
Et là, pourquoi ma caméra elle se rapproche? C'est parce qu'on approche d'un mur. Voilà, tac. Là, on a passé le mur invisible. Et c'est pour ça que j'ai perdu presque toute ma vie et tout mon bouclier. Là, vous avez vu quand ils disparaissent aussi, c'est. Ils raptissent. Ouais, c'est, je crois que c'est ça. Voilà. Comme le skirmisher qui est sur. Bah, au tout début de cette mission. Et lui, c'est l'inverse en fait. L'appareil est minuscule et puis il grandit petit à petit. Donc c'est pas. Voilà. Là, vous avez vu la zone disparaît derrière, c'est parce que vous pouvez plus y retourner. Attention, transporteur ennemi en approche. Donc voilà. Donc j'allais dire, c'est quand même un petit peu le super rusher, c'est un easter egg, mais c'est pas tout à fait un easter egg à mon avis. C'est plutôt pour gagner de la place ou. Enfin, franchement, je sais pas, j'ai pas envie de lancer un débat. Je pense qu'il est assez connu, suffisamment connu l'easter egg de. Du Squid Rusher. Donc si vous voulez, je vous mettrai dans une vidéo, vous me direz en post, là je vous mettrai la vidéo du Squid Rusher. Donc je vous la mettrai si vous le voulez, mais si vous le voulez pas, je vais pas faire des vidéos en plus. Donc là, pourquoi j'ai tiré dessus? Parce que j'ai cru que c'était le mien de Falcon qui était en train de partir, mais en fait non, c'est pas du tout le mien, c'est un autre en fait. Donc bon, là je perds mon temps en fait, j'aurais dû me mettre un peu plus loin. Bon là j'ai découvert qu'il n'avait pas de physique ce bloc. Donc voilà, hop, encore un petit peu. Et c'était juste pour vous montrer que, tac, si vous revenez au niveau de la map, et ben là vous retrouvez bloqué dans un mur invisible. Enfin, entre deux murs invisibles qui sont vraiment minuscules. Donc là le seul moyen, bah, c'est de se suicider. Donc en continuant vers ces zones, là vous vous suicidez. Voilà, ensuite, maintenant, c'est une fois que vous réapparaîtrez, donc ça mettra un petit moment. Là, par exemple, je suis toujours en accéléré. Bon, là, plus maintenant, ça mettra un petit moment parce que vous êtes en hors map. Donc là, le truc, une fois que vous êtes sorti de la map, vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez aller à fond vers cette montagne. Hop là, là, ça bug un petit peu parce que la zone réapparaît. Hop là, je vais mettre sur pause 30 secondes. À fond vers cette montagne. À fond vers la chaîne de montagne qui est là-bas. Moi personnellement, j'ai exploré vers la chaîne de montagne qui est là-bas. J'ai exploré vers cette montagne. À peu près là, je suis allé vachement loin. Elle est vraiment très loin. On dirait pas comme ça, mais elle est super loin. Donc je suis allé jusqu'à la montagne, puis après j'ai abandonné et je suis allé vers cette chaîne de montagne là. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit bug graphique là. Enfin voilà, mais c'est normal, on est en hors map. En hors map, les bugs graphiques sont assez souvent. Enfin, il y en a pas mal. Voilà, j'ai du mal. Ah, d'ailleurs, c'est joli. J'avais jamais remarqué ce que ça donne là-bas, mais c'est joli. Et donc, derrière cette zone de montagne, si vous mettez un endroit spécial, enfin un endroit spécial, la zone est quand même super grande. Hein, c'est la zone où ça fait ça. Mais vous obtenez une couleur qui est bleu-rose avec des teintes violettes. Enfin, c'est magnifique. Tiens, il y a des éoliennes ici aussi. Enfin, il y a plein d'éoliennes. Donc là, vous continuez. Et ce glitch, enfin, on va dire un glitch, est super pratique car il vous permet de faire du speedrun. Donc là, voilà, vous venez sur la zone. Vous venez sur la zone où vous êtes censé continuer la mission, où vous arrivez normalement avec ce Falcon, le même Falcon là, sauf que à la seule différence, c'est que là c'est vous qui pilotez, donc qui pilotez, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal, et donc vous avez c'est vous qui décidez de descendre ou pas du Falcon. Donc là vous serez obligé de descendre de toute façon pour passer le point de contrôle. Là j'ai essayé de ressortir la map, mais on ne peut pas. Une fois qu'on est dedans, vous êtes obligé de continuer la mission. Donc là j'ai perdu du temps, voilà, autre. J'aurais pu le faire en speedrun à partir du point de rendez-vous alpha. Donc là, hop là. Là, point de contrôle terminé. Maintenant, bon bah là je passe un petit peu ma grimpette là. Actuellement, j'en suis à la moitié. Il y a les ennemis qui arrivent. Et là vous devez défendre l'autre histoire là. Pour que Kat ait le temps de faire son truc. Et là ça vous prendra
et beaucoup moins de temps que si vous étiez sans le Falcon. Car, comme vous allez le voir, et comme vous avez pu le voir déjà là, il vous permet de faire des tueries, des quelques tueries, de faire beaucoup de frags en peu de temps. Ce qui est assez pratique. Étant donné que 4 ne met pas un certain temps pour ouvrir la porte, mais plutôt un certain nombre d'ennemis, si je veux dire. C'est-à-dire, je sais pas combien d'ennemis il faut. Il me semble que c'est 3 transporteurs covenantes, 3 ou 4 transporteurs covenantes, et une fois que vous avez tué tout le petit monde qui descend de ces transporteurs, vous avez le point de contrôle suivant qui s'affiche, et là vous continuez la mission normalement. Donc là on est déjà au 3ème, donc je pense que c'est un peu plus que 3ème, je sais pas trop. Il y a 2 Banshees qui arrivent. J'ai essayé dans une partie suivante de récupérer les Banshees. J'y suis pas arrivé, donc voilà, j'ai le destroy. J'ai refait cette mission avec. Là, j'ai fait que des Kelturians. Je suis pas monté dessus. Mais j'ai refait cette mission juste après avec le glitch pour montrer un petit peu le glitch à. Enfin, pas que le glitch, pas le fait de sortir la map, mais le fait qu'on puisse continuer la mission. Je l'ai montré à un membre de ma team là, quelqu'un que je considère comme un bon pote, c'est Atomic41. J'ai déjà fait une petite vidéo avec une dédicace pour lui là, il y a 2-3 vidéos de cela, c'était sur Solitary. Donc nouvelle dédicace à toi, mon petit ato là. Et voilà, donc après j'ai fait refait la mission avec lui, et là je me suis fait un quillionnaire, donc j'étais tout content, je me suis dit ouais putain j'ai massacré du Covenant, là je suis fier de moi. Bon, j'ai rien contre les grunts, hein, j'adore les grunts, mais bon voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'avec un glitch ça nous permet de faire des médailles qui sont pas si faciles que ça à obtenir. Bon là, je veux pas dire en mission c'est impossible à obtenir un clionnaire, c'est pas si compliqué que ça. Mais ça fait toujours plaisir quand même. Enfin, moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc là par contre un petit truc, là j'ai pas réussi à redescendre du Falcon. C'est pour ça que je suis bloqué comme ça, je stationne, enfin voilà. Et je crois que c'est parce que j'ai mis trop de temps en fait, le point de contrôle est apparu. Et j'ai mis trop de temps en fait pour décider de descendre du Falcon. Alors que quand j'ai fait après avec Atomic, j'ai pu descendre sans problème. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc je vous dis ciao, bye bye les gens. Et puis je vais peut-être faire un petit bêtisier après à la fin de la vidéo, je sais pas encore. Donc ciao, bye bye les gens, et à une prochaine. Bye.